Bien, donc bienvenue. Petit tutoriel sur l'utilité des styles, notamment dans le traitement de texte, mais notamment dans Word. Alors, quelques petites manipulations, justement pour voir cet intérêt. Voilà, donc par exemple, ici, hein, on va prendre les titres. Donc là, par exemple, si. Bien sûr, on change le style de titre avec la méthode classique, un formatage, par exemple, gras. On va lui mettre une couleur, voilà, bleu. On va changer la taille de police. Voilà. Si on veut répercuter, bien sûr, ce style sur tout, voilà, les titres principaux, hein, que j'ai soulignés ici, que j'ai mis en plus gros. On peut utiliser, voilà, reproduire la mise en forme. Alors, pour ça, sélectionner, voilà, tout le titre. Alors, double-cliquer sur reproduire la mise en forme. Sinon, il va le désactiver à chaque fois. Voilà, et là, on peut passer. Alors, sans se tromper dans les titres. Bon, je vais en faire trois, voilà. J'arrête donc de reproduire la mise en forme. Je remonte, voilà, à mon titre 1, enfin mon premier titre ici. Et là, juste pour voir cette façon de faire ici, évidemment, si vous en avez une dizaine ou une quinzaine comme ça, si jamais, pour une raison ou une autre, vous êtes amené par exemple à changer la couleur, on va revenir par exemple sur du orange foncé. Voilà. Le problème, c'est que. Et on le voit tout de suite, c'est que c'est pas répercuté évidemment sur les autres titres. Ça veut dire qu'il faut repasser autant de fois donc sur les autres titres. Alors évidemment, il y a une méthode plus simple. Donc on va annuler, revenir. Voilà. Au départ. En fait, il suffit d'utiliser les styles de titres qui sont prédéfinis ici dans la barre accueil. Voilà, il n'y a même pas besoin de sélectionner pour cette technique-là, il suffit de passer. Voilà. Alors on va en faire trois comme tout à l'heure. Voilà, et là la grosse différence, c'est que maintenant, si jamais vous voulez changer, d'ailleurs, bon, le style n'est pas forcément terrible ici, donc on peut faire, alors clic droit, c'est une des méthodes, hein, donc modifier le style, voilà, et là vous avez accès en fait à. Un tas de réglages, et notamment bah, on va changer la couleur. Voilà. On va par exemple souligner. Voilà, on va laisser comme ça. On va vérifier. Ok. Et on peut vérifier que voilà, ça a été répercuté sur tous les titres qui ont été formatés avec le style titre 1. Voilà le principe.